La Belgique s'adapte pour faire face au variant Omicron. Les ministres de la Santé du pays se sont réunis cet après-midi. Une mesure à retenir, les Belges vaccinés ne devront plus respecter de période de quarantaine ni se faire tester après un contact à haut risque. Samia Hermi, pourquoi cette proposition des ministres alors que les contaminations s'envolent ? Eh bien Thomas, tout simplement, les entreprises ont de plus en plus de mal à gérer la situation et à fonctionner normalement avec toutes ces contaminations au virus Omicron qui, je le rappelle, c'est un virus qui se propage de plus en plus vite mais qui serait moins dangereux d'après les premières études. Alors, le comité interministériel s'est donc mis d'accord cet après-midi pour changer les règles, comme vous l'avez dit, les règles de quarantaine et les raccourcir. Premièrement, une personne qui est testée positive, elle ne devra plus s'isoler 10 jours, mais seulement 7 jours. Ensuite, les Belges vaccinés ne devront plus respecter de quarantaine en cas de cas contact, après un cas contact à haut risque. Attention que cela ne concerne que les personnes qui ont eu leur troisième dose, pardon, ou la deuxième dose depuis minimum 5 mois. Pour les non vaccinés, en cas de contact à haut risque, ils doivent rester en quarantaine 6 jours. Puis, s'ils veulent ressortir, ils devront faire des autotests négatifs jusqu'au 10e jour. Donc ça, ce sont là les propositions des ministres de la Santé. Elles doivent être acceptées lors du comité de concertation qui aura lieu ce jeudi. Et si les mesures sont acceptées, elles devront rentrer en vigueur le 10 janvier prochain.